Bonjour. Les gens se demandent parfois pourquoi je ne filme pas de voilier. Bah parce que quand il y a de la pétole, il se passe rien. Et voilà, il suffit que j'arrive pour voir ces magnifiques petits bébés se mettre en mouvement sur un filet d'air. Alors le premier, c'est quoi? C'est un catamaran qui vient d'où? C'est pas le tien. Il est à qui le catamaran alors? Si, il est à moi, mais il vient du Chabordou. Hein. Ah bon? Il vient d'Internet? Ouais. Oh, celui-là est très moderne aussi. C'est quoi celui-là? Ça, c'est un DF95, Dragon Force. Dragon Force 95, c'est une jauge? Ouais, c'est 95, c'est un mètre. Ouais. Classe 1 mètre, d'accord. Et le petit là-bas au fond, qui fonce aussi bien d'ailleurs. C'est quoi le petit au fond? Le petit rouge là? En Allemagne. Ah bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui vient d'Allemagne? D'accord. Est-ce que vous pourriez vous regrouper? Ça serait sympa pour la vidéo. J'aime bien quand les bateaux se regroupent. Là, j'ai déjà deux bateaux qui arrivent à se rejoindre. Mais regardez la vitesse à laquelle ce petit kata. Oh, c'est vraiment génial. Le kata-kata. Il va rattraper ses amis. Ben voilà, un beau groupir. Bon, il n'y a pas de coup de sifflet, mais... Ah, le 95, superbe, superbe. Vraiment, sur le filet d'air, il est superbe. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête la musique. Bah, le filet d'air te suffit, regardez comment il avance bien. Hop là. Windliner. Bon. Et là-bas, le petit catamaran, bah, il s'est sauvé, il file aussi. Hein. Alors ouais, c'est d'avoir les trois en même temps dans le champ, voilà. Oh, t'as un vrai coup de vent, dis donc. Okay. C'est tout là. Une risée. J'espère que vous suivez l'America's Cup. Je crois que c'est aujourd'hui la dernière course des Français, leur dernière chance. Hein. Hier, on a perdu contre les Américains. Oui, bah, de toute façon, on a perdu contre à peu près tout le monde, donc on est dernier. Hein. Aujourd'hui, on avait une course. Oui, c'est la dernière. Si on la perd, on a priori, on est dernier, on est éliminé des demi-finales. C'est dommage, parce que c'est un très beau bateau, copié sur celui des Néo-Zélandais, très belle vitesse. Mais bon, peut-être manque d'expérience de nos compatriotes. Voilà, bah écoutez, vous voyez, regardez la risée, c'est amusant parce que la risée a l'air devant les bateaux. Donc la mer est d'huile, la mer. Et voilà, tu accroches l'eau, le vent. Tu règles le foc et la grand voile avec le même ou même temps, oui. D'accord. Même treuil, voilà. Un seul treuil. Oui. Et nos deux bébés. Oh, joli. Regardez ces accélérations, c'est amusant. Le kata est superbe. Là, je crois que le record cette année, c'est 102 km/h, je crois, c'est 54 nœuds. Ah oui? Ouais. Enfin, les courses que j'ai vues, c'est plutôt du 44, mais... Moi, je les ai vues 85 km/h. Ouais. C'est ce qu'ils affichent quand tu regardes les round robins, mais... Ah ouais. Mais c'est dingue, ça. C'est pas des bateaux, c'est des avions. Alors, les deux qui pédalent derrière, c'est pour l'électricité, je crois. Enfin, ils sont quatre à pédaler, mais... Merci les amis.